Actuellement, l'école primaire de Kailungi a 6 classes fonctionnelles. Ces 6 classes fonctionnelles sont gérées par 4 enseignants, dont un homme et une enseignante contractuelle. Et du fait que les enseignants ne sont pas au complet, cela occasionne des classes multigrades. La classe du CM2 et du CM1 sont gérées par moi-même, en même temps le directeur. Les classes du CP1 et du CP2 sont gérées par une contractuelle. Et en matière de fonctionnement de l'école au niveau des élèves, nous avons le regret de constater que les élèves ne fréquentent pas régulièrement l'école. Certains, quand ils viennent le matin, le soir, ils ne viennent pas. D'autres, quand ils viennent toute la journée, par exemple d'aujourd'hui, la journée du lundi, le mardi, on ne les voit pas. Et quand on commence à prendre des mesures, cela conduit à l'abandon de certains élèves. Donc on est confronté à ça. Il nous semble que 80% des élèves ne sont pas suivis à la maison par les parents. Aucun enseignant n'est parfait. Chaque enseignant a besoin d'amélioration de sa compétence professionnelle. Et chez nous ici, nous avons la chance d'être tous formés dans les écoles normales d'instituteurs, les ENI. Mais on a besoin de la formation continue. Et parfois, on nous invite à des formations. Les formations continues ne sont pas fréquentes. Et les enseignants qui sont là, vraiment, c'est la disponibilité qui manque. Parce qu'elles sont toutes des nourrices. Toutes les dames ont des bébés. Donc, elles sont confrontées à un problème de temps. Le temps ne leur permet pas vraiment de dispenser normalement les cours au sein de notre établissement. Mesdames et messieurs, les cadres administratifs, préfectoraux, gouvernants, chers parents, distingués invités, à vos titres et grades respectifs, mesdames et messieurs. C'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole devant vous cet après-midi au nom du comité de pilotage des projets de Dango qu'on appelle en abrégé de P-Dango. Le CDP Dango qui est composé d'offices résidents et de ressortissants de notre district à travers la Guinée et le monde. On a été hacké, il a eu des cas français, on a eu des maharais, mais le phare est eu des français. Nous commençons par rendre grâce à Dieu qui nous permet de vivre ces instants sans la nuit. Et nous remercions et saluons. Prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la mémoire de nos illustres dévanciers. Je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence. Araïm Tori Kedjama au fou, il m'a vu par une minute de silence. Ah ouais, merci. En faisant ce rituel, nous avons voulu rendre un hommage à tous ceux qui ont œuvré pour la création et l'entretien de la première école de notre village, celle qui nous abrite à l'instant, qui est créée en 1960, mais qui était tombée en ruine. Mais qui a connu des réflexions le long des années par nos parents, dont certains ne sont plus de ce monde. Je ne veux pas citer, tellement les gens sont nombreux, et je ne veux pas me tromper. Je tiens néanmoins à mentionner
les noms de quelques-uns qui ont été à l'initiative ou à la mise en œuvre du projet de cette école. Je pense notamment à El Hadj Mamadou Dande, qu'on appelle El Hadj Mamadou Ba de Garafonjo. Et on peut dire que nous avons dit que nous avons sensibilisé le monde, mais nous avons dit dans nos écoles, nous avons dit que 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 nous tawa e on do non ben be fegi ni yo la no be ya si fegi yo on do ka dara ko fodde man do silla tan di tirte be fodde kambaya yo si ne plus de ce monde il faisait partie de la première équipe qui a se réuni pour la première fois pour parler de la reconstruction de son projet. Je vais ajouter Diallo Mal de Galafonso. Il est parti, personne. Je veux parler du docteur Tcherno, qu'on appelle docteur Kailoudi, qui a fait toute sa carrière à l'hôpital de doctorat de Tédumélé. Lui aussi, il est parti, il est plus souvent malheureux. Je veux parler de Elan Amadou Si Amadou. Malheureusement, il n'est plus parti. Je veux parler aussi de Manda. Manda aussi, c'est un jeune frère. Malheureusement, il n'est pas parti. Nous aurions aimé tant souhaité qu'il soit parmi nous aujourd'hui pour vivre ce moment de joie. Malheureusement, le Tout-Puissant a décidé autrement. Permettez-moi de vous remercier, vous, monsieur le secrétaire général chargé de collectivité, monsieur le DPE, et les hauts cadres de la préfecture qui vous accompagnent. On sait que vous avez un agenda très chargé. Votre présence ici nous témoigne de votre engagement pour la cause de l'éducation dans notre préfecture. Cela nous honore et nous réconforte à plus d'un titre. Qu'Allah vous récompense. Je profite également de cette occasion solennelle pour remercier tous les fils et toutes les filles de Galoudi d'Alo pour les efforts inestimables qu'ils ont menés pour la reconstruction de cette école, comme je vous disais, qui est construite en 1960, mais qui est tombée en ruine ces dernières années. C'est d'ailleurs ce qui nous a interpellés tous et a conduit à notre union sacrée autour de ce projet. Mesdames et messieurs, chers invités, cette école de trois classes, équipée de tables blanches et de bureaux de maître, est désormais dotée d'un bloc de latrine que vous avez visité tout à l'heure, un bloc de 6 cabines pour les élèves et pour le personnel d'encadrement. L'école a été entièrement financée des fonds propres des fils résidents et ressortissants de Kailoudi. Pour un montant global, y compris le bloc de la prime, de 201 259 500 sanguinaires. Un montant qui a été mobilisé grâce à des contributions volontaires séquences suivant les différentes étapes du projet. Je parlais des différentes séquences du projet, je parlais de la fondation, je parlais de l'invasion du mur, de la construction du crépissage, de l'achat des tables blanches, de la peinture et autres. Au niveau de chaque étape, on a sollicité les gens de Kailoudi et tout le temps, vraiment, la réponse a été favorable. Tout le travail a été piloté par le comité de pilotage de projet de Dando. Au nom de la communauté de Dando, la tous les fils de ce ballon, nous vous souhaitons la bienvenue dans un voyage qui est venu ici à Kailoudi-Dando. Alors, ce que nous avons, on a un petit peu de temps, il y a 20 années, comme année,
فأجد ويكي الله سبحانه وتعالى طيب ما لي جد الله كما جدته وانجر بتاك من بيت جدني هذا الزكاري ويا رويت ما بن الله أكبر كل ويا الناس على الصالة وفايدة وفايدة أرى الهيئة ويوانتني في سرسر كيسا فريسي بان بطانا جدنجو Parmi ces bâtiments tribaux, on a la France et l'Allemagne. De la vie de nos bouts, à la Nabongo. Du moins, du Tibet, on est où, du Dorigo, par Abdi de Sobolongo. On a continué de jouer le Nigel Bango, dans le bar du Tibet. De la vie de tout le bout, de Tarata, de la Batama de Mongo. À la rue, il y a un peu de temps. Tabou, le bout de Tabou, gouvernement Pour le faire, je vais vous donner un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps. Par exemple, je vais vous donner un peu de temps. Je voudrais vous transmettre chaleureusement les salutations de monsieur le préfet de Périmédé en mission de travail. Car quand il a eu cette information, il avait la prétention de venir pour officier l'ouverture officielle de cette école. Mais comme les urgences administratives sont là, il a préféré se faire représenter par nous qui sommes devant vous pour venir officier la cérémonie d'ouverture de ce bel édifice. Donc, vous avez les saluts les plus différents de monsieur le préfet pour la circonstance. Il a promis ultérieurement de venir vous remercier, vous féliciter et vous encourager par rapport à la construction de cet édifice. C'est vraiment très magnifique ce que vous avez fait, vous braves populations de Kailomi. La coordination du bureau des ressortissants l'a dit tout à l'heure. C'est et les fils résidents et les fils ressortissants, vous êtes donné les mains pour construire ce édifice. Que vous en soyez remerciés au nom de monsieur le préfet de Témédé et au nom du colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez suivi les messages ici. Par rapport aux premiers intervenants, notamment Monsieur le DPE a prodigué des conseils. Le maire est intervenu, le président des ressortissants aussi, également. Il y a le président de l'APAE. Ce que je retiens essentiellement de toutes ces interventions, au-delà des remerciements de la part de monsieur le préfet, qu'on doit vous adresser, nous allons vous exhorter aussi à plus de courage, à plus de dynamisme pour le fonctionnement de cette école. C'est extrêmement important. Il faut que vous puissiez développer un travail d'équipe. Ce travail d'équipe va mettre en effet le bureau des ressortissants, le bureau de l'APAE, les enseignants, et les autorités locales.
vous allez tous développer ce travail d'équipe pour que cette école ne soit pas fermée. On ne le souhaite pas. Les ressortissants et les résidents que vous êtes, vous avez fourni assez d'efforts pour la réalisation de cette infrastructure. Si cela est, prenez alors toutes les dispositions qu'il faut pour ne pas que l'école soit fermée. Il faut suivre les élèves. D'abord, la première des choses, c'est d'accepter que les élèves soient inscrits au sein de cette école. Il faut offrir l'inscription des élèves au niveau de cette école. Si les élèves sont inscrits, il faut les surveiller, il faut les suivre. Chaque matin, au lieu que les élèves, nous qui sommes les parents d'élèves, au lieu que nos enfants se lèvent pour aller dans les champs pour les travaux en tête, mettons-les en route pour les élèves pour qu'ils viennent à l'école. Si vous voyez que nous sommes en train de parler aujourd'hui devant vous, vous êtes nos frères, vous êtes nos papas. Mais vous nous pardonnerez peut-être si nous allons lever un peu le ton. Parce que vous avez accepté de nous mettre à l'école. Et vous avez accepté de nous suivre pas à pas. C'est ce qui a valu ce que nous sommes aujourd'hui. Les enfants constituent notre futur, notre demain. Donc, au nom de monsieur le préfet, je voudrais vous lancer ce message. Un message permettant à ce que vous puissiez suivre les élèves pour qu'ils puissent venir à l'école. Un autre message, c'est celui de veiller sur la situation des enseignants. Monsieur le député l'a dit tout à l'heure, il a pris l'engagement. Cet engagement, c'est au nom de tout le gouvernement. Il représente le système éducatif du pays au niveau de la préfecture de Télémélé. Donc, si l'engagement, il l'a pris, c'est au nom du gouvernement. De son côté, au nom du gouvernement, il va se battre pour respecter cet engagement. Mais nous, communautés, à la base, battons-nous également pour respecter nos engagements. Chacun de nous a ses droits et ses devoirs. Je dis bien, chacun de nous a ses droits et ses devoirs. Donc, vraiment, je voudrais vous demander de vous donner les mains pour que cette école puisse connaître une vie fonctionnelle qui va être appréciée par chacun et par tous. Parce que là où nous sommes comme ça, les deux coups se sont retentis à travers toute la Guinée, même en dehors de la Guinée. Pour dire que les fils ressortissants et résidents de Kaïdoni ont bâti un édifice flambant neuf pour permettre la scolarisation de leurs enfants. Alors, retenez cela. Nous vous invitons vraiment à faire en sorte que l'école-là puisse être rendue fonctionnelle. Cette fonctionnalité-là interpelle nous tous. Tous les acteurs impliqués dans le processus, chacun doit jouer sa partition. Mais surtout, nos communautés à la base. Vous le savez tout dernièrement, les enseignants sont nombreux, surtout les enseignants contractuels, les enseignants communautaires. Mais l'État a pris les dispositions au moment opportun pour punir ces enseignants communautaires. Personne ne dira le contraire ici. Tout cela
c'est pour conforter la position du système éducatif en République de Guinée. C'est ce que l'État peut faire, mais nous aussi, ce que nous pouvons faire, faisons-le pour le rayonnement du système éducatif, profitable et au bénéfice de nous tous. Alors, je ne vais pas m'étendre parce qu'on a beaucoup duré ici aujourd'hui, que les uns et les autres veuillent beaucoup m'excuser, mais il fallait que je fasse cette parenthèse en attention de tout le monde. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous sommes très réjouis. Notre honneur, le DSE. Le DSE. Alhamdulillah rabbil alamin ko makila kilakara wakilare madde kande alaaji sadu hadi hadi o hadi barandama tamba jahde ga hafi sala na fikra wolete ko fawdo madde e kande mawbe tu kunden e mawbe deeli de denene ka ka lupen de niwre ngaren no wakilare te jogo ni mawbe gando fo e mawbe turku e mawbe bebi hay bombala no nengya na yayi nenga so ala ko ye yawto e de niure arenga sun ko jokkere en tan wona imi gol ko o gando ko makko turku ko fo ko jokkere na mawbe ko dum de match e haray alhamdulillah rabbil alamin ko mawbe na tuloni e haray e ko an 50 nit ko ko hebe tengal le pandan no ko do mo ne ku turu do o so ka e ko do do ko de fay de ne ne do wala no di ma jundo si for do ni ko kam de fu isina do wa de ma de ha hew kan wa de ma de fet iti wa de ma de no fondi ti si wada o be chapan ni jeng e jangi do du ikat e jati gande gogana memo deni fa yande fa e fo bie deyde ko get ke ibrahim arno didi do kamp get pre ibrahim on ke milew kamp arno get do o ar de onyo on sobo on hebi kumanda bangani mara de ar de moy ni ko o do woni ko arata kumanda modon do ni ni ko jokkere en dal alhamdulillah rabbil alamin sikari enen do ono sukade dambe do fou ne tori o ko yo wakilo jok fon en dal wana indi go ko ko mo ngambe ko ngam o fou wana bi be min sere bo ala wat do nge kale to lo bare ma hi lo kande tu e no mala kongo hino su ge hino enga sogolo mo fou jok fon ni do ni ada ko mun nafaka en alhamdulillah rabbil alamin ha ay mun mawdan de maki be wer kan ki on sukabe de wer kan ki de yeso de dolo alhamdulillah rabbil alamin ha ay ko ni ko yo wat yo be du wakilar bay ko mutawda no gollan ta yo wakilo
haray mawbe de naati ko ni fi haray ko be watti so ko no be watti Allah ma salli ala de la nouvelle école construite par la communauté de Kaïdoni à monsieur le directeur préfectoral de l'éducation, la préfecture de Télémé. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous sommes très réjouis. Notre honneur. Les sentiments qui m'animent aujourd'hui, ce sont des sentiments de satisfaction, de joie, car cette école de Kaïdoni a bénéficié d'une extension de 3 salles de classe de plus, de latrines. Donc je ne fais que me réjouir, me féliciter de l'éducation à Kaïdoni. Pour le recrutement du personnel, je m'impliquerai personnellement parce que le recrutement maintenant c'est à la base. Ce n'est plus au département de recruter des enseignants et les répartir, mais plutôt à la base, nous, la DPE, la CR, nous devons recruter des enseignants pour permettre de récupérer tous les enfants à l'âge de scolarisation de Kaïdoni. Ça m'encourage plus parce qu'ils s'investissent. Ils prouvent que l'État, c'est toute la population qui constitue l'État. Donc le fait d'investir dans les différentes localités, vraiment, moi, je ne fais que me féliciter, me réjouir et les encourager. Des parents d'élèves, c'est de les exhorter à envoyer leurs enfants à l'école. Mais si vous avez remarqué, ils ont dit dans les discours que quand même l'école de Kaïdoni constitue la troisième au niveau de la sous-préfecture en termes de population scolaire. Mais l'autre aussi caractéristique, c'est que ici, il y a une égalité entre jeunes garçons et jeunes filles au niveau de cette école. C'est vrai que des efforts restent à être consentis pour amener le maximum d'enfants à l'école. Et nous demandons aussi aux autorités de jouer leur partition en nous aidant à avoir des enseignants en quantité et en qualité. Et là, vous avez suivi un peu le discours du DPE, les assurances qu'il a données, et nous espérons que ces engagements seront respectés. Sanama, 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 San